Yo les potes, c'est une nouvelle petite vidéo. On va regarder toutes les nouveautés de la saison. Déjà, j'ai débloqué une nouvelle variante pour le signe lutin en bleu. Stylé. Du coup, j'ai acheté le club. Hop, on a débloqué le petit skin Galaxia. Oh lolo. Beaucoup trop stylé. Avec son sac à dos. Monde fracturé. Ok, ça c'est pas ouf. Ensuite, lama corne cosmique. Cette pioche, ils la font beaucoup. Mais là, franchement, elle est encore plus belle. Je sais pas si elle est réactive. Et 1000 V-Bucks. Ok. On a aussi débloqué le pass de combat avec le pack. Je me demande si... Ah non, c'est juste le premier palier. Après, il faudra tout débloquer. Donc, on a au palier 1 le skin Mandalorian de Star Wars. Avec ses quêtes. Ok. Et du coup, voilà tout le pass de combat. On va tout découvrir. Est-ce qu'il y a des modes de jeu? Non. Bon, vous pouvez voir les icônes ici. Nouvelle quête, etc. On va commencer par le pass de combat. Alors. L'arrivée du dévoreur. Une petite icône. 100 V-Bucks. Un petit tag. Un petit écran chargement. Une émoticône. Oh, animé. Ça fait longtemps qu'ils n'en avaient pas mis. Razor Crest. Ok. Ensuite, fusion 0G. Réactif. Ok. Un petit Galaxy. Enfin, un fond d'écran. Le sac à dos. 100 V-Bucks. Bien reçu. Lui, il est pas animé. Petite traînée. Ah, franchement, la traînée elle est pas mal. Ensuite, le skin Reese. C'est celui que j'aime le moins du pass de combat. Il est immonde. Ensuite, une danse. Celle-là elle est pas mal. Pas mal, pas mal. Ensuite, on a Orpheline. Ok. Marteau. 100 V-Bucks. Son planeur. C'est un peu comme le planeur d'Iron Man. Pas mal. Bannière. Cette deuxième variante. Un petit camouflage. Encore un petit tag. Petit émoticône. Sa pioche, très stylée. C'est la nouvelle arme en gros. Sauf que à la nouvelle arme, ils ont rajouté des petits pancakes, crêpes, gaufres. Ok, chute gourmande. Du coup, le petit skin. Franchement, il est très stylé celui-là. Surtout en mode cowboy, on va le voir après. Crêpe volante, pas ouf. Le petit bannière, la danse, celle-là elle est trop drôle. Là il fait comme si c'était un pistolet. Et à la fin, hop, il se verse du sirop sur la tête. Le petit sac, il est stylé mais un peu gros. Une petite. Un petit écran, 100 V-Bucks. Le petit skin, ensuite les petites pioches, un petit tag encore. Revêtement réactif et animé, ok. 100 V-Bucks, le petit skin Mev. Franchement, il est pas mal, mais pas dans cette custom là. Le sac à dos, très stylé. Petite bannière. Le planeur là, il est incroyable. J'espère qu'il est pas intégré juste à Mev, mais normalement, je crois que c'est bon. Je crois que c'est pas intégré juste à elle. Sa deuxième pioche, ok, elle a deux pioches. Non, elle a même trois pioches. Ensuite, cheveux réactifs, donc c'est des serpents. 100 V-Bucks. Ici, c'est quoi? Ah, c'est son deuxième style, ok. Sa troisième pioche. Un petit écran de chargement. Ensuite, son skin avec la queue réactive. Donc, ça, je pense, je suis pas sûr, mais c'est quand elle va aller dans l'eau. Parce que si elle a une queue de requin sur la terre ferme, c'est un peu bizarre. Donc, je pense que quand vous allez nager avec, ça va se transformer comme ça. C'est ultra stylé. 100 V-Bucks. Sa dernière custom en mode un peu vénère. La petite chute, stylée. Petit écran. Le planeur. Ok. Nouvelle icône. 100 V-Bucks. Esprit vengeur. Ce signe est très stylé par contre. Condor. Il y a plusieurs styles, pareil. Son petit sac à dos. Un peu gros, mais ça va. Une petite émoticône. Quand il y a marqué gratuit, ça veut dire que vous n'avez pas besoin du pass de combat pour l'avoir. Double lame. Un petit revêtement. 100 V-Bucks. Ça danse pour quand il se transforme.
stylé. Une petite musique. Ok. Un petit tag. Son planeur, donc c'est une planche. Ensemble chasseuse, ok. 100 V-Bucks. Émoticône. Pas animé non plus. Cible verrouillée. Ok. Le skin qui a des textures un peu spéciales. Ok. Un petit revêtement. Oh, pas mal. Franchement, pas mal celui-là. Oh, la pioche, j'aime bien. Oh, j'avoue, la pioche, elle est trop bien. On peut tourner maintenant. Écran de chargement. Son petit sac à dos, pareil, pas mal. Sans V-Bucks. La danse. On la transforme. Ouais, j'aime trop. Ensuite, le skin palier 100. Enfin, pas vraiment, mais bon. Le petit sac, sans V-Bucks. Ok. Un petit guerrier. Icône de bannière. Icône top 1. Sa pioche, très très stylée celle-là. Hop, encore une custom. Je sais pas c'est quoi le, ce qui change là. Pas mal. Lion doré. Hop. Petit tag. Oh, là il est stylé. Là il a du flow. Ensuite, avec full armure, sans casque. La danse. Ok. Il prend du sable. Il respire l'odeur. Là il s'entraîne. Ok, et là c'est le palier max. Et à la fin on a quelques petits trucs Star Wars. Piu piu. Ah ça c'est animé. Sans V-Bucks. Le petit skin Baby Yoda. Baby Yoda c'est dommage. Il aurait pu être beaucoup plus stylé. Là il est beaucoup trop gros. Personne va le jouer. Et une custom avec une quête. Ok. Ensuite on a des petits trucs bonus ici. Ok, une danse. Une traînée bonus. Ok. Très belle. Condor en vert. Une danse. Ok. Une deuxième custom. Icône de bannière. Là elle est pas ouf. Un petit écran de chargement de Midas. Wow. Là il est incroyable ce skin. Incroyable. Et des récompenses secrètes. Donc là je sais pas du tout ce que ça peut être. Ah si, regardez, outils de collecte, emote, accessoires, redémarrage, tenue, écran, aérosol, ignition. Attends, redémarrage, c'est pas un nom en plus, c'est des choses, genre, vous voyez dans le casier, il y a des trucs, emote, tenue, accessoires de dos, outils de collecte, planeur, traîner. Et bah là, il y avait marqué, redémarrage. Donc, c'est peut-être une nouvelle catégorie. Bref, le club de Fortnite est juste là, vous gagnez 1000 V-Bucks tous les mois, donc le 2 janvier. Ça sera les prochains V-Bucks à gagner. Vous gagnez passe de combat, le pack, donc ce pack là. Ensuite, on peut acheter des niveaux, moi je veux pas le faire. On peut offrir passe de combat. Ok. Je vais peut-être l'offrir si vous mettez des commentaires, je verrai. Boutique d'objets. Alors attention. Je la regarderai après. On regardera ça après. Club de Fortnite, 25 niveaux. Ok. Carrière, ça va y avoir, il va y avoir des nouvelles choses. Et il n'y a pas encore le pack à 5€. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez au code créateur NSU dans la boutique Fortnite. Ciao.